Tester quelques composants qui restent, c'est les derniers à tester de toute façon, donc j'en profite pour les filmer, ceux-là, ces tests-là. Celui-là il s'identifie impeccable. Super, celui-là aussi fonctionne bien a priori. Celui-là aussi, celui-là j'ai même poussé le test un petit peu parce que non, je suis toujours pas dans le bon mode. Voilà. C'est combien? C'est 74. Ok, donc celui-là il passe vraiment le test de A à Z, on est bien. Ah là, merde, il est mal inséré. LM324, donc ça parfait. Hop, je le mets de l'autre côté, histoire de ne pas le confondre avec autre chose. Super, celui-là il fonctionne aussi. Et le dernier des derniers des derniers. Hop, si je le mets pas bien, ça marchera pas. LM741, super, ils fonctionnent tous. Ah, je suis très content parce qu'en fait sur toute la volumétrie que j'ai là dans cette boîte, hein, qui n'est pas encore vraiment triée, c'est un tri approximatif, je n'ai que ce petit tas-là qui sont des circuits foutus. Tous les autres ont résisté à la chaleur du dessoudage. Pourtant, j'ai fait toute une série propre. Il y a certaines séries où c'était soudé double face ou des trucs un peu chiants comme ça. Et là, je les ai dessoudés au pistolet à air chaud, mais très très peu de déchets, je suis très agréablement surpris.